Tu es le dernier chevalier lumière. Je te donne ma puissance et ma connaissance. Tu dois poursuivre ta route, mais tu ne seras pas seul. Voici l'homme que j'ai choisi. Primo, bienvenue dans notre pays. Primo Cupo Mucula, Dampelo Trone. César? Non, pas tout à fait. Vous avez dit bonjour, votre femme est en feu. Mais il fait des progrès. Hier, il avait dit Primo, voilà du sable pour votre pantalon. Oh, allez-y, moquez-vous de moi, je suis pourtant le seul à essayer de parler cette langue. Ce sera long, monsieur Rizzo. Le patusan, c'est pas facile comme langue. Il n'y a pas que les mots, mais aussi la façon de les prononcer. On attend un petit garçon de 9 ans, alors essayons au moins de lui offrir des visages amicaux et détendus. Je ne me moquais pas de vous, Jack. Au contraire, vous me surprenez. Très peu de gens auraient eu le courage de faire ce que vous faites. Mais je ne me suis pas engagé à le prendre en charge. J'ai seulement proposé de l'héberger jusqu'à lundi. Ne vous inquiétez pas, lundi, il sera chez les Swenson. Ouais, je préfère. Mercredi au plus tard. Salut tout le monde. comment ça va, Ernie? Je vous présente mon ami Debbie. Salut. Ah, salut. Salut. Oui, elle est mignonne. Hein? Oh, Jack. Mouni, où t'as trouvé ce truc-là? Je l'ai rencontrée hier soir et elle s'est montrée très compréhensive, si tu vois ce que je veux dire. Mmh. Mais elle me pose un problème, un tout petit problème. Oui, ça j'avais remarqué. Non. La famille, ça compte énormément à ses yeux. Alors, je veux lui montrer à quel point j'aime les enfants. Tu détestes les enfants? Oui, mais elle, je la déteste pas du tout. Alors, je lui ai déjà parlé de... Quel est le nom du cousin de Ernie? Ce n'est pas le cousin d'Ernie. C'est le petit-fils d'un ami de sa bossa. D'accord. C'est pas grave. L'important, c'est que j'ai dit à Debbie que je tenais à être le parrain de ce petit garçon. Alors, ne casse pas mon cou. Fais ça pour moi, vieux. Et merci d'avance. Hein. Monsieur Georges Berkeley. Ah, j'adore. Nous avons retrouvé les documents que vous avez perdus. Non, est-ce que c'est lui? Sûrement, je crois bien. Coucou! Ça va? Bonjour. Voulez-vous vous rendre au terminal Nord? Primo? Primo? Oui, c'est moi, Primo. Quoi? Oh, Primo! Coupa... Mucula, Dampelo Trone. Ah non, je suis désolé, Primo n'est pas marié. Bonjour, Primo. Moi, c'est Ernie. Voilà Monsieur Rizzo. Bonjour. Je suis bien content. Waouh, un flingue, un Magnum 357. Maintenant, je suis sûr d'être en Amérique. Un flingue pour tout le monde. Monsieur Rizzo fait partie de la police. Tout le monde n'a pas un revolver. Un flic? Waouh, voiture 4, embarquez-moi ça. Ça va être leur fête. Jack, le mieux est d'appeler les Swenson. Ouais, c'est une bonne idée. Ah, oh, qu'est-ce qu'il est gentil, vraiment gentil. Oui, maintenant, nous, on doit s'en aller. Voilà, alors ne le mangez pas en une fois. Vous avez d'autres bagages? C'est bon, alors on y va. Dans la lettre que ton grand-père avait donnée à Sabo-san, il y avait des mots qui étaient presque effacés. On a cru que tu avais 9 ans. Ça, c'est drôle, alors. J'ai 29 ans. C'est comme dans cet épisode où Magnum pensait qu'Higgins lui apportait un chaton alors que c'était un vrai léopard. Vous regardez beaucoup la télé? Oui, pourquoi? C'est la série que je préfère. C'est à la télé que j'ai tout appris de l'Amérique. Hey! Épargnez-moi ça.
qu'est-ce qu'il fait? C'est rien, monsieur Rizzo. Il est en train de provoquer les démons. Et il provoque les démons? Les démons de la maison. Et ici, c'est un appartement. Chez nous, au Patusan, c'est une vieille coutume. Quand on arrive dans un endroit nouveau, on doit provoquer les démons. Alors, ils vous respectent après ça? Ne me dis pas qu'ils croient à ces bêtises, au moins. Bien sûr que non. Oh. C'est une tradition. Et j'adore les traditions. Primo, ici, on a aussi une tradition. Vous allez l'adorer. Quand quelqu'un se met debout sur une table basse en hurlant, on le frappe sur les genoux avec une batte. Vous voyez, juste ici, où ça fait très très mal. Descendez. C'est mieux. Et maintenant, je vais essayer de dormir un peu. Et si j'entends un seul bruit, je tue un de vous deux. Non, merci, Ernie. Il n'y a pas de quoi. Merci, Ernie. Il n'y a pas de quoi. Je vais ouvrir. Je n'ai pas envie d'étudier l'informatique. Pourtant, c'est une orientation très intéressante, Primo. L'informatique va conditionner tout notre avenir. D'accord? Et voici les formulaires pour votre permis de travail temporaire. Il est important que vous les remplissiez correctement. Je pourrai ensuite intervenir. Vous pensez que les Swanson le prendront chez eux? Il y a un petit problème à ce sujet. Ils pensaient recevoir un garçon de 9 ans. Dites-leur qu'il est un peu grand pour son âge. Il pourrait rester ici encore quelques jours. Et dès qu'il aura trouvé un travail, il pourra vivre tout seul. Je veux être un flic, tout comme Jack Rizzo. C'est un nom qui sonne bien. Jack Rizzo, détective. Ça ferait une bonne série pour la télé. Vous devez savoir que ce n'est pas si facile de devenir policier. Je lui ai déjà expliqué. On doit d'abord devenir un citoyen. Et ça prend du temps. D'accord. Primo attendra. Mais oui, Stanler, ça ferait un parfait videur. Il est fort comme un bœuf. Il peut jeter les ivrognes tellement loin qu'ils seront dessoulés avant de revenir chez vous. Qu'est-ce qu'il a dit? Bah, il a raccroché. Continue à appeler, Jack. Et pourquoi tu t'en charges pas? Après tout, t'es son parrain, non? Les extraterrestres ont atterri dans le Missouri. 4 d'entre eux sont sortis d'une soucoupe volante en forme de cigare. Ils ont rasé le chien d'une petite fille. Capitaine, vous avez une minute? Bien sûr. Jack Rizzo, Randy Roughead, FBI. Oh, enchanté de vous voir. Écoutez, capitaine, à propos de Primo... Je ne voudrais pas que cette histoire s'ébruite. C'est une affaire du FBI. Il est préférable que personne ne soit au courant. Ah bon? Écoutez, il faut trouver un boulot à Primo, n'importe quoi. Non, comprenez-moi bien, il faut garder le secret absolu sur cette enquête. Eh oui, bien sûr. Écoutez, capitaine, il démolit mon appartement. Les meubles ne tiennent plus debout, les provisions disparaissent. Il se lève tous les jours en criant et en hurlant. Les voisins n'arrêtent pas de frapper à ma porte et il veut rester ici encore 5 ans. Surtout, n'y voyez aucune attaque personnelle, mais un seul mot et tout notre travail d'investigation serait anéanti. Rizzo, c'est grave. Oui, c'est grave. Mooney,
Tu as une seconde. Il y a quelqu'un que je veux te présenter. Vous êtes fait pour vous entendre. Vous contactez tout le monde? Oui. Alors pourquoi pas Denton? Il vous doit bien ça. Denton, le bookmaker? Ex-bookmaker. Il a commencé une nouvelle vie, une nouvelle carrière. Mooney, enchanté. Brewhead. Randy. FBI. C'est pas Rito. C'est un travail délicat. Je veux bien le prendre à l'essai pour une semaine. Oh, il sera très bien. Téléphonez-moi s'il y a un problème. Mais je suis certain que ce sera pas nécessaire. Pas si mal, juste un tout petit accrochage, c'est rien. Non, c'est pas possible. Ça ne me plaît pas, je voudrais être dans la rue pour arrêter les cabrioleurs. Vous voulez dire les cambrioleurs? Écoutez, Primo, vous venez d'arriver il y a à peine une semaine. Vous êtes déjà sergent, je crois que c'est un bon début. Est-ce que vous savez combien de temps il m'a fallu pour être sergent? Ouais, maintenant il faut continuer. Ce n'est qu'un début. Hein? Merci, sergent détective. De rien, sergent.